Bonjour, tu regardes ASMR frère. Cinquième, non, sixième vlog de la semaine. Je vous avoue, je pense que je vais passer une mauvaise journée. Je suis pas de bonne humeur. Depuis ce matin, je me sens pas bien du tout. Genre, vraiment triste en fait. Je pense que ça va vraiment être ma journée mental breakdown de la semaine. Quand je suis triste de toute façon, j'ai la flemme de faire semblant. Je laisse la tristesse venir. Je l'accueille à bras ouverts. J'ai bien pleuré ce matin pendant que je faisais mon montage. Et ouais, je pense que c'est pas la dernière fois que j'ai pleuré. Je sais pas si j'ai envie de voir des copines ou si j'ai juste envie de rester toute seule à faire du crochet. Là, tout ce que j'ai... Enfin, tout ce dont j'ai envie, là, c'est manger. Donc je vais me faire des pâtes. Oh putain, ouais, c'est l'heure de ma pilule. Ça me surprend parce que j'ai oublié qu'il était aussi tard. C'est vrai que, enfin, en soi, je me suis même pas levée tard ce matin. Genre, je me suis levée à 11h, tu vois, donc ça va. Non mais c'est vrai que là, le montage de la vidéo, j'ai fini la part d'information et miniature juste maintenant. C'est pour ça que je vous prends maintenant. Du coup, voilà, c'était sympa hier soir. Franchement, ça m'a fait plaisir de voir les copains et tout. Déjà, je suis contente qu'il y ait une copine qui a proposé une petite soirée demain. Grave chaud. Pour ce midi, du coup, j'ai fait des pâtes carbo avec des champignons. J'ai terminé mon top! Vraiment, il est trop mignon. Je suis trop contente. En story, je vous ai dit que les coques étaient un peu grandes. Mais en fait, c'est que j'avais pas assez resserré. Je suis un peu con. Je vous ai mis la petite story. De toute façon, dans ma story à la une, je mets tout dans ma story à la une. Crochet, tous les résultats de mes commandes. Vraiment, je suis fan. Il est trop beau. Franchement, trop bien réussi. Magnifique. Mais ouais, du coup, c'est grave ma taille en fait. Je suis un peu con. Et vraiment, le dos, vraiment, c'est magnifique. Pour l'été, c'est vraiment top. Et du coup, voilà. Parce que, enfin, je disais que c'était un peu grand pour moi. Parce qu'en gros, moi, j'adapte les mesures au. Enfin, j'adapte les coques aux mesures des gens. Je demande toujours les mesures quand on commande des tops comme ça. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé, en tout cas pour avoir un top comme ça, n'hésitez pas à venir sur Instagram, à m'envoyer un petit DM. J'ai 42 couleurs en tout, donc il y a pas mal de choix. Puis je peux vous en faire des bicolores, etc. N'hésitez pas à aller voir ma story à la une crochet, vraiment, parce que vous pouvez trouver grave de l'inspi. Et pour vous donner une idée d'ordre de prix pour un top comme ça, basique uni, je l'ai fait à 30 € frais de port compris. Pour les gens qui disent c'est cher frère, c'est du fait main. C'est normal. C'est normal que ce soit plus cher qu'un top que tu vas acheter à H&M. Je râle parce que même tout à l'heure, je suis tombée sur un TikTok d'une meuf qui disait qu'elle s'était rendue compte qu'elle faisait ses pièces vraiment pas chères. Et il y a des gens qui sont genre 50 € c'est quand même déjà pas mal. Mais c'est du fait main. C'est des pièces uniques. La plupart du temps, genre. Enfin moi en plus je fais des commandes personnalisées, c'est vraiment des pièces uniques que vous avez choisies, genre c'est normal, enfin qu'il faille mettre le prix, c'est complètement idiot. Vraiment des fois les gens sont bêtes, et même moi genre je sais très bien que je fais des prix bas pour le temps que je passe, etc. Pour tout ce que je devrais inclure dans le prix, mais en vrai je le fais par plaisir et aussi par peur que ça se vende jamais si je le faisais plus cher. Mais du coup ouais les prix ils peuvent changer après en fonction du nombre de couleurs que vous voulez. Après genre par exemple si vous voulez 2-3 couleurs, le prix va pas changer, mais si vous commencer à en vouloir plus, là j'augmente le prix. Mais du coup voilà, vous pouvez, enfin aussi hein, je précise, mais par exemple si vous voulez ce même top, mais genre par exemple sans les trous, c'est complètement faisable. Si vous voulez ce même top avec par exemple pas les trous ici, c'est faisable aussi. Vraiment n'hésitez pas à être imaginatif, même si vous voulez deux lignes de trous ou en bas que des trous, je sais pas, genre c'est possible. Même là si vous voulez raccourcir et tout, c'est possible, enfin vraiment on peut faire ce qu'on veut. Donc ouais, n'hésitez pas à être imaginatif. Et puis même les bretelles, on peut changer les couleurs et tout, genre. Je viens de faire une petite gamelle sympa à tasse, j'ai mis de la pâté comme ça partout. Ça va être vraiment incroyablement chiant à nettoyer, mais je me suis dit comme ça au moins il va vraiment chercher un peu partout et tout, ça va l'occuper un peu. Et du coup, écoutez, je vais juste lui donner ça. Regardez comment il attend ce chien modèle. Vas-y. C'est bien mon cœur. Je viens de réaliser que j'ai complètement oublié de vlogger, il est 21 h, je suis en train de manger. J'ai avancé sur une commande de crochet, j'en suis à la même étape que hier avec le top vert. Mais cette fois-ci c'est avec un top crème comme ça. J'ai eu deux commandes d'un top, enfin du même top en crème. Là je suis en train de manger du coup du riz que j'ai fait avec des haricots rouges. J'ai mis de la sauce magie et du cumin. Un repas vraiment délicieux. Je viens de finir le petit top. C'est toujours vraiment nul à montrer quand c'est pas porté ces tops là, parce que du coup c'est vraiment beau quand c'est porté, mais quand tu montes comme ça, ça a vraiment aucune forme. Et du coup bah ouais, je vais pouvoir commencer une autre commande après. C'est une commande, bah c'est pareil, c'est un top en col V aussi. Vraiment les gens l'ont adoré ce top. Bah j'ai eu une nouvelle commande d'ailleurs de ce top aujourd'hui. Et là je suis contente parce que le top que je vais faire, que je vais commencer là, il va être un peu différent. Il y aura 5 couleurs, donc je suis contente.
contente. Vraiment, j'adore quand les gens modifient un peu le truc, tu vois. J'aime bien quand on me fait des commandes où c'est pas des juste des tops unis et tout. J'adore quand on me propose des motifs. N'hésitez pas, hein. Même genre, je peux très bien vous faire les bords juste d'une couleur. Enfin, il me semble que je vous ai déjà montré dans ma story à la une crochet. N'hésitez pas à les voir. Mais du coup, ouais, je vais aller prendre ma douche avant de commencer le top parce que je... Bah, j'ai pas pris ma douche aujourd'hui. Pour le top que je vais faire, du coup, j'ai pris mes pelotes. Je suis pas sûre d'en avoir assez. C'est un top qui va être rose, violet, vert, jaune et bleu. Et en gros, j'avais déjà fait un top qui était comme ceci. Pastel, rayé, trop beau. Vraiment, j'aime trop. Bah, je vous l'avais déjà montré sur YouTube même. Ça, vraiment, c'est une de mes pièces préférées que j'ai réalisées. C'était une commande personnalisée. Du coup, une personne qui a de très bon goût. Vraiment, genre, le rendu est trop beau. Il a plu à énormément d'entre vous. J'ai eu, bah, du coup, une personne qui m'en a recommandé. J'ai une copine qui voulait le même aussi. J'ai aussi une personne qui voulait en recommander. Et là, du coup, la personne, elle voulait les mêmes couleurs pour le top en col V. Trop hâte de faire, vraiment. Parce qu'en plus, ces couleurs ensemble, elles sont vraiment trop jolies. Victoire, j'ai fini une coque. Et c'est trop kiki. Vraiment, j'aime trop les couleurs. Il est 2h du matin, je vais aller me coucher, j'ai bien avancé sur le top, je suis grave contente, genre j'ai fait toute la base encore une fois et mon crâne, les bretelles et vraiment les couleurs ensemble, c'est trop beau. Et bah là du coup ce qui me restera ça va être les bretelles et rentrer tous ces modifils. Moi je vais aller me coucher. Je vais pas rendre le vlog plus long, même si je pense qu'il aura été assez court. Désolée pour ça, mais bon, je pense que vous avez compris que c'était pas ma journée. Mais du coup, ouais, je vous fais de très gros bisous. Merci à vous d'avoir regardé ce vlog. Et on se retrouve du coup demain pour le dernier de la semaine, si je me trompe pas. Bah ouais, parce qu'on est samedi. Ouais, dernier vlog demain. Waouh ! Mais du coup, ouais, gros bisous les gars. Et merci à vous d'avoir suivi les vlogs jusque-là.